Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va bien, on se retrouve pour l'épisode 16. Oui, l'épisode 16? Dites-moi. 16 de Feed the Trouduc. Et oui, regardez-moi ça. Regardez, j'ai fini ma gravity space, ce qui fait que maintenant si j'appuie sur F1, je vole. Mes chers parents, je vole. Et en plus, je peux accélérer. Alors oui, il y a Alex qui fait des time day. En fait, il est en train de tester son overlay. On est lundi, juste avant le début du live. Il est en train de tester son overlay, ce qui fait que il met le jour pour pouvoir vérifier que vous verrez bien tout ce qui se met sur l'overlay, tout ça. Bon, alors, je vous explique un peu. Aujourd'hui, ce que j'aimerais bien, c'est commencer à avancer sur certaines choses. Et pour avancer, il ne faut pas reculer. Merci Tado de cette superbe remarque, bien sûr. C'est là que vous êtes censé me remercier. Mais vu que vous servez à rien, on va faire comme si... vous l'aviez fait, bien sûr, hein, parce que sinon, ça sera pas gentil, évidemment. Hop, je toque. Et donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est d'abord crafter un carpenter. Pour crafter un carpenter, à la base, je me disais, tiens, c'est super, on va pouvoir regarder comment on fait sur... sur Nace, sauf que la plupart des crafts sur Nace sont complètement buggés. Mais genre, quand je vous dis complètement, c'est complètement. Ce qui fait que on va le faire à ma façon. C'est-à-dire un bout de Google sur l'écran d'à côté là. Et vous et moi. Mais on va y arriver. Le Carpenter, il est bon. Le Carpenter, en fait, vous le mettez ici. Tout simplement, et il a besoin d'énergie. Donc on va lui tirer un petit câble. Est-ce que ça va marcher quand même? Ouais, ça va marcher quand même. Hop, et on va crafter un câble en plus. Vous voyez que les ressources, ça commence à aller là. On commence un tout petit peu à se stabiliser. Tant mieux, parce que ça devenait compliqué à gérer. Alors, je sais que c'est un peu perturbant d'avancer super vite comme ça, mais vous allez voir, vous allez vous y faire. Il y a d'autres trucs qui sont super cool dans le style. Ok. Super. Comment tu fais? Tu reçois un max d'énergie? Ok, très bien. Très très bien. C'est super. Donc maintenant, on va simplement prendre des seaux d'eau, que je me trompe pas. Super. Alors, le truc, c'est que c'est pas de l'eau qu'il faut mettre. Ce n'est pas de l'eau. Ce n'est pas de l'eau. Ok. Donc, l'idée, c'est d'arriver à savoir... Comment est-ce qu'on fait les impregnatic casing? Est-ce que c'est peut-être pas dans un squeezer ou un truc comme ça? Où est-ce qu'il est mon petit squeezer? Il est ici, ok, on va vite le crafter. Parce que demi-moire, il servait à quelque chose lui. Alors là, on a un peu en mémoire, tout ça. On verra bien. C'est un peu chiant de ne pas avoir ces crafts, mais on n'a pas fort le choix, vu que Ney n'est pas à jour à ce niveau-là. Alors vous allez me dire, oui, mais nous, on a à jour chez nous. Ah, mais vous avez de la chance. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'était pas le truc où il fallait mettre du bois. Des bûches et que ça allait faire c'était pas ça hein. Je me trompe là complètement hein. Oui je délire, ça va, je délire, c'est bon. Heureusement. Neyadon, putain, t'aurais pas pu mettre le Neyadon. Un.
C'est toujours le problème. Quand on ne sait plus comment faut faire. C'est quoi ça alors? Bordel de cul. Alors le carpenter. Ok. C'était pas de l'eau. C'est vraiment pas de l'eau. C'est bizarre. J'ai l'impression que c'est de l'eau. Mais ça m'étonnerait. C'est trop facile que ce soit de l'eau. Ce trou de mémoire. C'est horrible. Ok, c'était pas comme ça. Ok, c'est pas ça. C'est quoi alors? Bon. Vas-y. Putain, pourtant c'est ça. Donc c'est bien. C'est pas de l'eau. Ça c'est clair et net. Mais alors c'est quoi qu'on met là-dedans? Oh putain, c'est pas possible ça. Oups. Seed oil, voilà. Voilà, je me suis souvenu. Oh, mais non, non, c'est pas vrai, c'était noté. Voilà. Super. Balance le jus, hein, balance la sauce là. Hein. Ça c'est super. Et alors, ce qu'on peut faire en fait, c'est juste un petit système ici rapide avec pas un wooden, un wooden comme ça, ceci, hein. Ok. Juste un comme ça fera l'affaire. On va poser ça comme ça par sécu. Non, j'ai pas mon inventaire complètement plein et c'est la galère pas possible. C'est pas du tout le cas. Pas du tout, du tout, du tout. Et non, j'ai pas déjà été fouillé pour avoir plein de d'abeilles partout. Pas du tout non plus. Tiens, d'ailleurs, il faut que je vous montre un petit truc. Hop. Donc, ceci va bouger. Hein. Ceci va bouger là-bas, dans la centrale. Mais ici, j'ai rajouté un petit truc. Donc, j'ai rajouté ici une Basic Gate qui me dit que dès qu'il y a de la place dans le machin, elle envoie un signal de redstone. En fait, elle met les red signal à redstone on, en fait. Et dès que le red signal sont bons, hop, il envoie ici un petit truc dans le moteur. Alors là, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'énergie, donc apparemment, il fait pas tout marcher. Bon, je sais pas trop comment ça marche, mais en tout cas, ça marche super bien. Vraiment super bien. Ce qui fait que ici, ben, je suis vraiment. Oh, tu sors? Je suis vraiment bon. En plus, j'ai réussi là, depuis peu, à tout remplir. Vous voyez, j'ai trouvé plein de zones de pétrole, donc maintenant, ça remplit à fond. Ce que je vais pouvoir faire, c'est taper ça. Mais maintenant, toute mon énergie est gérée. Uniquement, je suis plus dépendant d'Industrial Craft, comme vous avez vu au début, et je sais gérer uniquement via ça. Et ça, c'est super pratique. Ok, donc par contre, on n'a vraiment pas assez. Donc, on va un peu remplir le truc de site. De toute façon, pour faire des apiaries, il en faut plein. Alors, je sais, là, c'est le début, machin bidule. Mais je voulais vous tourner le début avant le live d'Alex pour pouvoir commencer un peu à le faire moi-même. Et peut-être qu'on fera une petite ellipse d'une nuit. Et comme ça, je vous montrerai un peu où on en est. Ok, super. Bon, deuxième étape. Ok, ça c'est bon. Maintenant, ce qu'il faut faire tout simplement,
c'est prendre un peu de bois. Ok. Alors, en fait, celle-là, je vais pas en avoir besoin tout de suite. On va ranger ça. On prend ça. On met ça comme ça. Et nous voilà avec deux apiaries. On va donc pouvoir prendre nos deux premières abeilles. Et les deux premières abeilles, ça va être celle-ci. Et celle-ci. Avec ça. Et bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas de deuxième middle drone. Donc on va attendre en fait. On va d'abord faire un premier passage et ensuite on verra. Donc l'idée est tout simplement qu'on va creuser. On va utiliser en fait cet endroit-là pour mettre les machins et ici pour faire la zone à abeilles. Donc les machines que vous voyez là, on fera des réplicas pour les mettre ici. On tirera un câble d'énergie aussi, tout ça. Hop. Et donc, on va pouvoir commencer par mettre celle-là, là, et ça, ici. On prend le bois. Donc, je vais retirer de toute façon tous les arbres qu'il y a sur la zone, ne vous en faites pas. Mais dans un premier temps, on met ceci et ceci. Et on va voir si ça va marcher. Alors, le jour se couche en plus, donc c'est pile poil le mauvais moment. Ok. Donc c'est bien une baie d'eau qui est en ignoble. Ce qui n'est pas un super bon signe. Et il n'y a pas de soleil. Et une pâle le jour, donc c'est la merde en fait. Il aime pas. Il aime pas du tout. Donc ce qu'on va aller vite faire, c'est voir si on peut taper le jour. Allez. Cru qu'il n'y arriverait pas, tiens. Poule, poum, 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 poum. Vous voyez qu'il y a de la neige ici, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, si je sais, je vous raconterai un jour. C'est marrant. Hop. Alors, où est-ce qu'on est? Bleu. Ça va quand même beaucoup plus vite. Et voilà, là elle a commencé à travailler. On va la laisser tourner tranquille. Alors ce qu'on va faire, c'est commencer à regarder vite fait. Est-ce que on a les pipes qu'il nous faut pour ça? Clay. Logiquement, voyez-vous, on est censé avoir des pipes qui renvoient. Les apiary pipes, on ne dirait pas qu'on les a, tiens. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est moins cool, tiens. Je toc, 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 toc. Ok. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je regarderai de toute façon off pour voir si on a des pipes qui permettent d'automatiser ça. A priori, on devrait en avoir, mais en fait, il y a des pipes en diamant un peu spéciaux. Mais, ils sont peut-être pas implémentés sur le serveur. Qu'est-ce que fout un zombie là? D'accord. D'accord, si tu veux, en gros. Hein. Tu te ramasses une tatane et puis voilà, hein, le problème est réglé. Donc, ça attendra que j'ai d'autres drones, en fait, tout simplement. Vous verrez pourquoi, comment c'est tout ça. Et puis, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve après cette ellipse. Je vais essayer d'avancer un peu sur tout ça.
augmenter mon nombre de trucs, commencer à faire tourner aussi des drones en cavité, parce que ceux-là, c'est des drones en cavité. On va peut-être juste avant ça regarder pour le craft de la tablette, l'analyzer. C'est pas celui, cette tablette-là qu'il faut que j'analyse, il faut que je fasse, mais j'aurais besoin pour la faire de mémoire, toujours aussi d'un carpenter. Un carpenter à eau. Tree analyzer, il y a aussi les arbres. Pour ceux qui ne savent pas, c'est celle-ci. Bee analyzer. Ok. Qui permet de faire des analyses génétiques. Super, mais ça m'aide pas à savoir comment on le craft. Ça se craft avec un carpenter, un diamant du tin. Et nous verrons tout ça. Oh non, on a le temps de vite le faire. Donc on va vite le faire. Hop. Donc tout simplement, je me crave vite un deuxième carpenter. Par fainéantise. Hein. Il suffirait de vider l'autre pour pouvoir le faire, mais. Étant donné que je suis très fainéant, eh bien voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je toque. Alors vous voyez peut-être des choses qui ont changé aussi. C'est vrai que pour vous, oh putain, c'est vrai que en fait, c'était en live que je l'ai faite ma gravie, enfin tout ce qui m'a servi pour faire ma gravie. Donc vous n'êtes pas du tout au courant, mais oui, j'ai crafté donc toute l'armure la Quantum Suite en live vendredi, non, samedi soir. Live sans rediff, c'est pour ça que vous l'avez pas vu d'ailleurs. Sinon vous l'auriez vu, hein, bien évidemment. Voilà. Donc ça va se crafter lentement, logiquement. Oui, vous voyez, c'est là. Et j'ai également en fait une deuxième compact machine qu'on voit ici, dans lequel il y a des trucs de lave pour alimenter cette compact machine là qui traite l'énergie, gérer un peu mieux le système de stockage, commencer à faire ici un petit système, à savoir que ce système va partir aussi sur les autres pour se stocker, et que ici on va pas juste faire remonter le gold, on va aussi faire partir d'autres choses, histoire que tout soit traité et que ensuite on arrive dans le système. Ici, que tout ce qu'on puisse mettre déjà dans ceci, ça sera bon. Le problème, c'est que ici, par exemple, j'ai qu'un espace, donc à mon avis, tout ça va faire et va se taper là. On va un peu raccourcir le tout. C'est pas grave. On n'en mourra pas. Mais j'ai besoin d'espace. Alors, hop. C'est super, et donc maintenant, si on va vite vous montrer un petit test, mais on peut pas. Parce qu'il me faut de la honey. Et qu'en soit, j'en ai à peine. J'en ai à peine. Et là, c'est un squeezer qu'il me faut. Non, c'est pas un squeezer qu'il me faut. C'est pas un squeezer qu'il va me falloir. Fermenteur, non. Carpenter, non. Centrifuge. C'est une centrifuge. Bon, ben. On enchaîne, hein. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Comme ça, vous aurez tout. Hop. Hop. Et donc on met ça, et là on va voir logiquement du honey, c'est parfait. Et donc il n'y a plus qu'à taper. Tiens, ben même celle-là par exemple, on met d'eau pour voir ce qu'elle a en stock. Oups. Pouf, là voilà. Alors c'est une mido-mido, assez bien avec une fertilité x2. Un territoire. Par contre, elle est très lente, hein, la gamine. Ça, c'est bon. Ça tolère à peu près toutes les températures. Ça peut produire seulement ça. Et par contre, on n'a pas d'informations sur les mutations actuellement. Et sauf qu'on a sa classification qu'elle a.
Voilà, comme ça vous savez tout. Sur le début des abeilles, moi j'ai plus qu'à débuter tranquillement, entre guillemets, sans vous bassiner avec tout ça. Et puis on se retrouve très très bientôt pour la suite. À tout à l'heure. Re les amis, bon, on se retrouve dehors avec la mise en place de l'automatisation de tout ça. Alors comment j'ai fait? Tout simplement un wooden transport pipe, des golden. Et ici, un clé transport pipe. Et oui, le clé va renvoyer s'il y a de la place. Et ben s'il n'y a pas de place, ben ça se renvoie pas. Tout simplement. C'est pour ça qu'ici ça tourne lentement. Vous voyez que j'ai réussi à trouver finalement des forests. Un peu, ça m'a pris un peu masse de temps, mais j'ai trouvé des forests. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ici. J'ai commencé à faire mes mélanges, entre guillemets. Parce que, bah, comme vous le savez, il faut faire des accouplements. Ah oui, regardez. Ça se voit pas. Hein. Je voudrais juste que... Ah oui, merde. Ça, c'est moche. Ok, tant pis. Faut que je trouve un moyen. Hop. Et en fait, ici, on arrive dans ma base secrète pour les abeilles. Bon, pas du tout secrète, hein. Enfin, quoique. Je l'aime bien, je suis content. Hop. Et donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on check ces deux abeilles ici. Est-ce qu'il y a un pourcentage de chance? Donc ça, c'est une common en primary et middle. Et là, ici, c'est une common common. Donc si je mets les deux, oh, j'ai un bon pourcentage de chance pour que ça me donne quelque chose d'intéressant. On va envoyer. Hop, parce que de mémoire... si on regarde un peu, c'est elle qui va nous permettre d'avoir une cultivated après. Alors, sachant que j'ai déjà réussi à avoir plus ou moins une cultivated, et que donc bah, la cultivated, elle va nous permettre par la suite d'avoir les nobles, les majestiques, et d'avancer vers tout ça pour avoir les industrious. Parce que pour faire, Extrabis, où es-tu? Pour faire ces machines-ci, je vais avoir besoin tout simplement avec le mutator. Ah putain, c'est vrai. Il y a ça. Je vais avoir besoin de aidez-moi les amis. Non, mais vous n'êtes pas là, donc vous pouvez pas m'aider de toute façon. Voilà. Pour faire ceci, de mémoire, je vais avoir besoin d'industrials et d'industriels. Je sais plus lesquels, mais voilà. Vous voyez de quoi je parle. Ce sont des abeilles qui vont me permettre d'avancer un peu dans le truc. Et ça sera bien pratique. Alors, petite précision, bien sûr. Je vais faire monter un câble ici. Si on regarde bien, en fait, ici, là, j'ai mis un pipe en bois. Et le câble va en fait... faire tout ça, stock, et il vient d'ici. Alors oui, j'ai encore fait mon barbare. Oui, j'ai balancé un câble au milieu de tout. Et oui, je sais que ça fait fort ado, mais c'est comme ça. Fallait bien avoir de l'énergie par un moyen ou un autre. Et cette petite production d'énergie ici marche vraiment très bien. J'en suis vraiment très content. On a l'air de toujours avoir tout ce qu'il faut. Ici, et regardez, ici, il y a encore du pétrole, et je sais qu'à l'endroit où est posée la pompe, il y a encore max pétrole, donc on a bien de la marge. Bon, on se retrouve très bien, très très bientôt pour l'épisode suivant. À plus. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous avez aimé. Je sais que les abeilles, c'est peut-être pas le truc que vous avez le plus kiffé de votre vie, mais c'est quand même bien sympathique. On se retrouve pour la suite, pour le prochain épisode, ou alors mercredi soir en live. On avancera aussi sur tout ça. Et puis, à très très bientôt. Salut, salut. Bye bye.